Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, avant vous, j'aimerais remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la paix et la stabilité sans lesquelles nous n'aurions pas pu réaliser cet énorme projet. Et après Gobun, je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour assister à cette cérémonie d'inauguration de cette porte métallique. Ce grand projet qui a coûté 30 milliards de francs CFA est un projet réalisé par une entreprise qui contribue énormément au développement de notre pays. Donc, je profite de cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à cette entreprise. Comme vous pouvez constater, c'est une porte métallique réalisée avec la technologie moderne. Vous pouvez voir cette porte. C'est une porte vraiment exceptionnelle, vraiment moderne, qui peut être. C'est la seule porte, hein, grâce aux technologies utilisées, c'est la seule porte au monde qui peut être ouverte en tirant et en poussant. Vous pouvez voir. Voilà. On peut pousser pour ouvrir la porte et on peut tirer. Vous pouvez constater, on a installé des pièces métalliques. Cette pièce métallique permet fermer la porte à partir de l'extérieur. Et dedans aussi, il y a cette pièce aussi qui permet à la fermeture de cette porte à partir de l'intérieur. Vraiment beaucoup de technologies ont été utilisées pour réaliser cet énorme projet. Et je réitère mes remerciements à tout le monde. Et j'invite toutes les entreprises à s'inspirer de cette société pour contribuer au développement de notre pays et concrétiser notre plan de développement national. Je vous remercie.